Un chauffeur routier en transit par la France a entendu des bruits venant de la remorque de son véhicule. Plutôt que d'aller voir lui-même l'origine du problème, il a décidé de taper le mot police sur son GPS et s'est rendu directement dans le commissariat le plus proche, celui de la police municipale de Nîmes. Au terme de son récit, les policiers gardois ont entouré le camion et découvert 8 passagers clandestins emmitouflés dans des couvertures, au milieu du chargement. Monté dans le camion après avoir découpé la bâche arrivée d'Italie où il avait pris sa cargaison, le chauffeur se rendait au Portugal. C'est au cours d'un arrêt dans la péninsule que les clandestins sont montés dans le véhicule, en découpant la bâche de la remorque. Selon leur situation, les 8 passagers, 4 Tunisiens, 2 Pakistanais et 2 Égyptiens, seront confiés au service d'accueil pour les demandeurs d'asile, situé à Montpellier, ou placés au centre de rétention administrative avant d'être expulsés du territoire. Zéro commentaire 79 partage partagé sur Messenger partagé sur Facebook partagé sur Twitter partagé sur Flipboard partagé sur Pinterest partagé sur LinkedIn envoyé par mail sauvegarder une faute. Imprimé.